full of bug, my mind got what you need. If you need to fill the bars, I mean, I had the sex, I ain't even making love, so come give me a hug. Eh bien, salut à tous, c'est PsychiatOM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare pour une vidéo spéciale sur la balle 27 Obsidian que j'ai reçue dans un colis. Oui, de ravitaillement, donc oui, c'est possible. Ne désespérez pas si vous voulez la balle 27 Obsidian, c'est vrai que c'est très rare, mais je l'ai eu. Et pourtant, j'ai un ratio qui est quand même assez haut. Et c'est haut, enfin qui est pas mauvais quoi, qui est, et j'ai pourtant, je l'ai quand même eu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai remarqué un truc pour l'avoir, en fait c'est que j'ai joué pas mal de parties juste avant avec une balle 27 pour ensuite l'avoir. Donc à mon avis, si vous voulez avoir la balle 27 avant de passer au prestige, les prestige or, puisque cette arme là on l'a quand on passe le premier prestige, et bah jouer avec la balle 27 avant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la balle 27 avec celle là je fais des, c'est vraiment le top pour faire des séries de 10. Voilà, si vous avez l'habitude de faire des petites séries de 5 et rarement des séries de 10, avec cette arme là c'est vraiment pas mal, parce que vous pouvez, alors déjà je modifie mon équipement, voilà celle là Parce que cette arme là, voilà, elle est vraiment top pour les tirs de loin. Franchement, c'est l'arme qu'il faut quoi. Elle est vraiment stable, bon, comme une balle 27, mais vraiment très très puissante de loin, elle fait mal quoi. Du coup, je sais même pas ce que je suis encore ici, donc c'est que je joue avec les deux armes, donc avec la SM1 Speakeasy et la balle 27 Obsidian. Pourquoi? Tout simplement, la balle 27, je m'en sers pour les tirs de loin, voilà, comme là. Heureusement que ça arrivait. Mais c'est vrai que c'est depuis que je l'ai, voilà, sur deux parties, j'ai fait partie presque. Enfin, pour les séries de 10, quoi, c'est vraiment impeccable. Sur certaines cartes, c'est un peu plus compliqué. Enfin, après, ça dépend. Hein. Mais si vous avez l'habitude de jouer avec une balle 27, bah vous arriverez beaucoup plus, je pense, à faire des putains de séries, ou même faire du bon dégât sur les ennemis. Mais c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude sur la SM1, donc c'est vrai que la balle 27 je la gère très bien, mais sur des cartes où il y a des longues distances, voilà, en combat rapproché, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment pas mal quoi. Donc j'ai pas mis de viseur, parce que tout simplement je trouve qu'elle est très bien comme ça. Et puis en plus, quand vous mettez un viseur, bah elle est moins maniable. Oh là là, là je sais pas combien qu'il y en a. Il y en avait. En plus on est sur une carte auquel je kiffe bien. Oula, lui il était, je sais pas où, il était. Je sais pas ce qu'il me faisait lui. Donc c'est vrai, une fois que vous l'avez, vous avez du mal à jouer les objectifs, parce qu'en fait avec la balle 27 Obsidian, vous pouvez faire tellement de séries, puisque plus maintenant avec la balle 27 vous pouvez tirer loin, donc c'est beaucoup plus facile pour faire des séries, hein. C'est sûr qu'elle est beaucoup plus stable qu'une mitraillette, que n'importe quelle mitraillette d'ailleurs, parce que faut pas croire, une mitraillette ça va te sortir pas non plus super loin. Là déjà voilà, je le sens très mal, je suis passé au mauvais endroit. Mais franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir quand vous le recevez. Comme ça vous ouvrez votre coulis et voyez quoi? Une balle 27 Obsidian. Vous dites oui, plus besoin des 2 points d'XP pour arriver au prestige or. Tout ça c'est fini, vous avez la balle 27 Obsidian, maintenant le reste vous en foutez complètement. Enfin complètement, non, si vous êtes comme moi. Putain, mais il m'a coupé devant lui. Je sais pas où ce qu'il est. Puisque moi de toute façon j'ai envie de faire tous les prestiges. C'est aussi l'objectif hein.
J'adore cet endroit là où ça arrive beaucoup. Dommage, il y en avait un qui était là-haut. On va essayer de prendre C. Oh là là, oh là, là il se planque. Là on peut dire qu'il se planque le mec. Dans le coin. C'est vrai que moi voilà, je joue vraiment sur cette carte, je joue vraiment ici, mais voilà, je me déplace, je reste pas dans un petit coin. Donc pour moi ça s'appelle pas de la planque. C'est un endroit qui est vraiment facile à... Oh, il y a Neige, il tire, mais je sais pas d'où. Donc franchement mon avis sur la balle 27 quoi, bah c'est franchement top top. Après bien sûr j'ai pu la tester en la prenant sur un cadavre. Mais quand vous l'avez c'est beaucoup mieux puisque vous l'avez plus longtemps, vous pouvez... Et un mélange avec la SM1, franchement c'est vraiment super top. Bon la 1914, mais par exemple sur la carte Instini, je crois, je sais plus si c'est... ça s'appelle comme ça, enfin où on est dans une espèce de jungle où là vous êtes sous l'espèce de grotte et là vous en tuez, mais avec la balle 27 de loin vous pouvez en tirer mais une vingtaine en une première manche pour quelqu'un qui est... Bon, bah, je vais pas dire que je joue, enfin je fais des ratios de malade, mais c'est vrai que je passe quand même plus de 4 heures par jour sur Call of, donc bon. Mais en première manche j'avais fait 22-0. 22-0, c'était la première fois que j'étais pas fait tuer en une seule manche. Mais franchement elle est vraiment top top top. Alors là ça va arriver de par là à mon avis. Pas mal. Mais ça fait plaisir, franchement c'est une belle petite arme. Alors j'ai laissé le camouflage et camouflage de champion. Mais franchement le camouflage de celle-là elle est vraiment top. Ah je crois qu'on était en train de perdre. On est en train de perdre A. On a perdu A. Il y en avait un qui était derrière. Ah dommage. On sécurise Alpha. Bombardier ennemi en approche. T'en as un bombardier en plus. Il y en a un qui était en dessous de moi et là sur le toit. Mais franchement, voilà, mon avis sur cette balle 27, c'est vraiment, franchement, que ça, bah de loin quoi, c'est vraiment quelque chose, hein, plus besoin du sniper ou autre. Hein. Après, moi, c'est vrai que je joue pas du tout avec la balle 27, hein, à part avec celle-là, l'Obsidan. Voilà, les autres balles 27 aussi tiraient quand même, faisaient balle de loin, mais. Mais forcément quand vous avez l'obsidian c'est encore mieux. Ah dommage, j'aurais pu faire la triplette. Alors comme on est sur Call of Duty, j'en parlerai aussi tout de suite. Je vais faire aussi le DLC qui sortira qui sort dans demain pour Xbox, mais moi comme je joue sur PlayStation 4, je ferai bien sûr la vidéo découverte sur le DLC un mois après, donc le jour de la sortie de la PlayStation 4, je vous présenterai le DLC en détail. Alors là il y en a là-bas. Ah.
sécurise, bravo. Alors, je joue pas forcément trop les objectifs, mais pourtant je suis vraiment le plus premier, je suis avec 8 captures. Notre drone est activé. Ah là 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 là, il était où lui? On va perdre. Mais c'est vrai que j'attendais vraiment d'avoir la balle 27 pour donner mon avis sur cette arme, parce que tout le monde dit qu'elle est bien, elle est bien. Je confirme, elle est vraiment très bien pour même ceux qui vont, voilà, débutent. Je trouve ça vraiment bien pour ceux qui débutent Call of Duty, qu'ils aient. Enfin, maintenant ceux qui débutent l'ont directement au prestige 1 ou même prestige 2. Je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai fait n'importe quoi. Donc ça, je trouve ça cool qu'on donne franchement à ceux qui débutent, parce que voilà, ils n'ont pas forcément trop d'armes. Après, c'est vrai que voilà, ils ont pas galéré comme nous, mais voilà, c'est quand même une bonne arme pour ceux qui ont, voilà, qui ont du mal ou qui même qui débutent sur un jeu d'FPS ou même sur Call of. C'est vraiment pas mal. Vous voyez là, j'étais vraiment en combat de proche et pourtant ça l'a fait. Mais malheureusement, on perd l'objectif. On n'a pas capturé assez. Donc voilà un peu pour cette petite vidéo sur sur la balle 27 Obsidian. Là, on est à la SMA Strider que j'ai dit aussi. Donc voilà, une balle 27 qui, comme tout le monde le dit, est vraiment top. Donc voilà, vraiment top, top, top comme arme. Donc voilà, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.